Bonjour tout le monde. Jour 8. C'est vraiment très très difficile. Après le jour 6, j'ai vraiment beaucoup souffert. J'ai continué donc mes injections. Mes injections, donc d'action addict. Mais je la fais, d'ailleurs je dois la faire avant manger, toujours avant manger, hein. Je fais donc ma première injection et j'ai dû prendre un remède plus puissant. Un remède plus puissant. Et donc, je suis perturbée. Vous savez, ça me perturbe énormément, vous savez. Et donc, on m'a conseillé une dose beaucoup plus forte. Mais donc, c'est pas tout à fait la même taille, mais ce n'est pas le même produit. C'est une solution imbuvable d'action addict. Alors, cette solution imbuvable, nous devons la boire en mangeant. Avant de manger, c'est mieux. C'est une solution très puissante. Pour un effet zéro plaisir. Et c'est à base de passion. Bien sûr, la passion d'action, la... mais c'est un effet zéro plaisir. Donc, pour ce faire, on m'a donc dit qu'il fallait que je... Alors, il suffit de mélanger ce zéro plaisir à base de passion dans un flacon additionné d'eau. Il faut donc prendre le liquide, si on y arrive. Comme ceci, grâce à la seringue. Je n'y arrive pas. Alors, comment on va faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas y arriver. Alors, ce que je vais faire, je vais verser la solution imbuvable dans ce verre, ponctionner le voilà, et m'injecter donc directement, m'injecter directement. Je ne vous montre pas mon visage car je ne suis pas belle à voir. Donc je m'injecte la solution. C'est vraiment imbuvable. Il faut se forcer. Il faut souffrir pour se guérir. Il faut souffrir pour guérir. Voilà. On m'a dit que c'était ma dernière chance. Avant le centre de désintoxication. Alors j'espère que cela suffira. Je n'ai pas vraiment envie d'aller en centre de désintoxication, même si on m'a dit que celui-ci était très efficace. J'espère que ça ira mieux avant. Voilà. Merci pour votre soutien et bon appétit à tous.